Salut à tous les amis, ici Fantaction Man, plus connu sous le nom de Fanta, je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Fantaction Man, le plus grand de tous les héros. Je suis Bob Lennon X. Non, ça marche pas, Dr. X. Ah putain, ça fait chier. C'est moi qui ai pas de cheveux, donc c'est pas grave, c'est un fail. Bienvenue les amis pour notre petite série qui s'est passée sur la map Herobrine's Return. Retour de Herobrine. Les ténèbres envahissent le monde d'Ascalot. Je sais pas du tout où on se trouve, mais beaucoup de gens meurent. Voilà. Une map 10 pixels, je sais pas comment on dit, vous verrez le lien dans le descriptif, le pack de textures dans le descriptif. Et en fait, c'est une map aventure complètement orientée action. Avec 8 boss de fou, des mobs personnalisés, enfin voilà. Fanta ! Oui ? Fanta ! Tout est écrit sur ce panneau là. Ah d'accord, vas-y. Regardez la description, c'est marqué là ! Le retour d'Herobrine par Hypixel. Ne cassez pas les blocs sauf si vous devez. Je recommande l'ascension d'Ateris 1.5, le pack de textures. Merci beaucoup à Gazamo. C'est la suite de du manoir de Herobrine. Ok, les réglages c'est bon, tout va bien. Et Hypixel, le créateur de la map. Qu'est-ce que je voulais dire Oh merde, j'ai oublié. Voilà. C'est pas grave, ça sert à rien. Map 1.5, le gars il a sorti ça super vite avec plein de nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. Ah ouais, ça va faire plaisir ça. Je cherche. Comment ça avance ? Je cherche déjà juste à enlever le smooth lighting. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Ça on est bon, ça on est propre. Et c'est parti. K-A-K-I-B. J'étais un grand. Right click the hoopers grab the key and put them back in appropriate hoopers to open the doors. Ok, je vais le mettre dedans. Tu le remets dans ton machin, mais pas dans la partie haute, dans la partie basse, je pense. Hein. T'es sûr? Ah non, dans le. Alors attends. Ah bah oui, il faut les inverser. Faut le jeter. Merde, je l'ai jeté dessus. Non, j'ai jeté dedans, moi. Hop, non, j'ai raté mon coup. C'est K-A-K-I-B. Oh purée, les boulets. Ah la vache, ça y est, on commence déjà. Tiens, donne-moi ma clé. Ah, c'est bon. Allez, c'est ouvert. On est trop fort. On progresse. Alors, press button to begin. Sur le bouton. To begin. Attends, je veux pas tout de suite. Normal mode, hard mode. Ok, nous c'est normal, hein, on est des tanches. Ah, normal, on est des filles. Il y a 4 sets d'armure et d'armes disponibles. Soyez sûr que vous chopiez le bouquin de la quête dans la première maison. Maintenant, choisissez juste une difficulté et appuyez sur le bouton Start derrière vous. Ok. J'essaie de faire la meilleure traduction que je peux. Normal, normal et je balance, d'accord? Jouez maintenant en mode normal. Oh shit! Pardon, excuse-moi. Il fait affreusement peur, le Victor. Oh, regarde sa tête! On dirait le Phil Guy, tu sais, de temps en temps on peut le trouver sur 4chan, comme ça, bah, il fout les boules. Tiens, regarde, ils ont fait un dialogue. Réveillez-vous, il est revenu. Là, il faut que tu dises ton texte, Fanta. De quoi vous parlez? Calmez-vous. Spit it out, wow. Qui ça? Je sais pas, spit it out, c'est ça. Marche-moi au fumier, qui? Herobrine, j'ai peur qu'il revienne chercher de la vengeance pour tout ce que nous avons pu faire il y a 3 ans. On va l'arrêter, reste ici, Victor. Merci, Bob Lennon, mais avant que vous partiez, prenez des supplices en soi. Pourquoi moi? C'est toi qui n'y pars. C'est toi l'arbre. Hein. What the fuck? Bon, prends des supplices dans son storage chest. Il est où son coffre de storing? Non, ça c'est une table de craft. Très jolie la texture pour la table de craft. À mon avis, ça doit être en dessous. Ouais, ça doit être en dessous, on s'en fout. Pisse et coffre, fuck la police! Alors attends, quest log. On prend tous un quest log, une armure, du steak et une arme. Toi aussi, tu as. Fanta, est-ce que tu as. Oui, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Ok. Oh putain, on est beau! Ah, mais carrément! Blim! Là, il y a luxe, là, et on a 2 steaks. Alors attends, je veux me voir. Ah, c'est cool! Alors, sois gentil et ouvre le quest log. Avec alors, moi. Alors, hop. Page numéro 1. Le retour d'Herobrine, de Hypixel. Quête numéro 1. La ville est menacée par le retour d'Herobrine. Équipez-vous et taillez-vous un chemin jusqu'à la ville pour enquêter. Voilà. Grab some supplies and visit the town. Il faut qu'on aille visiter la ville, ouais. Ok. Bon bah écoute, on va commencer par ça. Hein. Ok. Et attends, on regarde un petit peu les autres quêtes ou on le fait après? Allez, d'abord la première quête. Oh putain! Déjà? Je peux pas fermer la porte? Attends. Ah bah...
Si t'as une musique de Conan, là c'est une idée. Hein. Ok. J'aimerais pouvoir sortir. Oh putain, c'est des gros balèzes. Oui. Nulia, c'est les. Alors attends, je vais bloquer hit and block. Merci les amis pour vos conseils. Et je vais essayer de pas me planter. Hein. Il faut pas qu'on se tape dessus parce que tu ressembles à un gros vilain toi aussi. Hey, c'est marqué que j'ai récupéré des âmes. C'est la classe ça. Ah bien. Ah oui, c'est vrai. Putain, en plus c'est des super épées qu'on a. Je vais enlever mon casque afin que tu... Training Sword. Non, c'est de la merde, Fanta. 8 à 12 damage, c'est une épée d'entraînement. Ok, on y va. On continue. Bah, moi, je suis chaud bouillant. Hein. J'espère que vous êtes contents, les amis. N'oubliez pas de pouce-vériser la vidéo de temps en temps. Pouce vert. Commence à sortir. Je prends les steaks et tout le bordel. Go. Ok, niveau bouffe, je vais attendre un peu avant de me recharger. Où est la ville? Putain, ça passe, sa petite maison. Hein. Mais en fait, j'y foutais les boules, le mec. À droite, archer. Oh, mon Dieu. Alors je vais essayer. Hop. Yeah, je l'ai eu. Il a lâché un casque. C'est bon. Tiens. T'es où? Ah putain. T'es parti là-bas. Dans le dos. Yeah. Bien. Plus Bob. Bob Lennon. Je mens. Ok, là c'est de la lumière. La ville est où? Ah, tu manges déjà? Putain, il faut pas trop sprinter. Pas trop sprinter, ouais, c'est vrai. Quoi qu'on trouve de la viande sur ces salopes, donc ça risque de bien se passer. On progresse. Ok, là, encore un. Saloperie. Yeah. J'essaye de le prendre de côté pour pas te mettre des coups. Ah. Regarde, il y a du dialogue. Je peux sentir sa présence. Il est devenu plus fort. Je vais vous dévorer et vous arracher les entrailles. Je boirai le sang dans vos cœurs. J'arracherai la peau de vos os. J'apporterai le chaos et la destruction. Ok, il y a un petit peu de roleplay. Bravo pour la flèche dans le crâne. Hop, on continue. Voilà. Ulié, faut sauter pour leur faire des coups. Ouais, tout à fait. Joli ça. Oh, putain, il est solide. Derrière toi. Oh putain, on voit le nombre d'assassinats que t'as fait et c'est toi qui cartonne pour l'instant. Et il faut savoir que la map ne requiert aucun mode, elle a été entièrement faite avec la version 1.5 et c'est ça qui est... Avec les commandes blocs, ouais. Iron Sword. Ouais, c'est de la merde. Une épée de fer sont pourries par rapport à notre épée d'entraînement. J'espère c'est sûr, trouve... 11-21. Ouais. Ah non, moi et... j'ai une super épée que j'ai dropée. Moi j'ai 11-12, j'ai 8-12 et 6 damage pour une autre Iron Sword, donc on progresse. La ville. Attends, ah putain, dommage qu'on puisse pas les réparer les machins parce que... Moi j'ai droppé une super épée, alors cours pas trop. La corruption d'Hérobrine a été invoquée sur la ville. Contactez le prêtre Alerne dans l'église de la ville pour vous guider. Il faut parler au prêtre Alerne, Graveyard, Giant Skull... Obtenez des esprits en vainquant les boss et en tuant les ennemis. Page 6. Alors attends. Dépensez. Voilà, page 6. Obtenez des âmes en tuant les boss et en tuant les ennemis. Dépensez les âmes dans la shop du ciel, accessible via les hôtels dans la carte. Ok. Attention, des âmes vont être enlevées sur votre mort. Après, il y a des side quests. Ah, en gros, c'est si tu meurs. Putain, d'accord. Tu sais, il y a un gros truc là. Il y a un truc. What the fuck is. Oh merde, on a été téléporté. Regardez qui nous avons là. Notre ami. Notre vieil ami The Fantasio 974. Et Aubryn, souviens-toi que je t'ai vaincu une fois déjà et que j'ai réduit ton manoir en cendres, fumier. Je ne pense pas que tu commences à comprendre la puissance que je possède. Ah, effectivement, il fout le feu partout. Là, t'as du texte, là. Arrête ça. Rends-toi, Buzz l'éclair. Ton heure est venue. Jamais de la vie, Hérobi. Attention, il a un méga pulsatron. Oh mon Dieu, super. La classe. Laissez-moi sortir de cette prison, sort, espèce de couard. Et je vais te tuer. J'ai de meilleures choses à faire. Nous reverrons, mortel. Est-ce qu'il est parti? Au moins pour le moment, Victor. Je t'ai dit de rester à la maison, et t'es au trou-duc. Voilà. Il était sur la droite, Victor. Je l'ai pas vu. Quête numéro 1 complète. Youhou! Fin de l'épisode. Non, je déconne.
Il faudrait une petite musique à chaque fois qu'on complète une quête. Ce serait beaucoup de boulot. Donc la quête a été faite. Parlons à Victor. Victor, il propose... Oh putain, il propose de transformer notre viande moisie en steak. Donc prends ta rotten flèche et donne-lui. D'accord, super. Comment on fait? Bah, si tu vois pas, tu fais clic droit sur lui. Alors attends, clic droit sur Victor. Il propose de faire... Ah pardon, c'est peut-être moi qui le... Voilà. Il propose de faire du travail. Il me propose pas que ça aussi. Il propose deux os égales, j'ai pas vu, mais c'était sans doute de la bouffe. J'aimerais qu'il le fasse, ok. Ah, oh, c'est super, bravo. Donc on a de la viande, Fanta, donc au moins ça c'est safe. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Pour deux os, il propose du poulet cuit. Pour 6 rotten flèches, une potion de soin. Putain, j'en avais en plus. 4 bones, des strength potions. Ok, bon, en fait, plus on a de viande, il faut qu'on conserve bien précieusement la viande. Ouais. Il faut qu'on conserve bien précieusement la viande parce que... La tête! La tête qui fait! Regarde ça! Les boules! Approche-toi de lui lentement. Alors, attends, effectivement, il a évolué un petit peu. Ok, c'est bon, Bob, on y va? Action? Allons-y, allons dans l'église. Il faut parler au prêtre. Le prêtre a l'air. Aventurier, j'ai bien peur... Pardon, excuse-moi. Aventurier, j'ai bien peur que le nécromancien des Robrines a pris contrôle du cimetière. Pouvez-vous aller l'arrêter? Je vais faire sorte de récupérer la paix dans votre village. Alors, tu aurais pu le dire en mode RP à l'ancienne, tu sais. Peste que soit, Manon, je vais tant donc quérir la paix et la satiété dans ton village. J'ai très mauvais roleplay, c'est pas grave. C'est pas de ta faute. Oh, attends, il y a une échelle, là, ça il y a des coffres vides. Coffres vides. Attends, ça me questionne. Bah, fuck it. Bon. Coffre vide et coffre vide. Okay. L'Ender Chest. Event Shop. Ah, il est là, l'Event Shop. Appuie sur le bouton. Ah, yes. Vous n'avez pas débloqué pas débloqué. Il faut aller dans le cimetière et rétablir la paix dans ce putain de village. Allons pacifier le cimetière. Oh, regarde. Wanted Creeper. Ok. Une situation explosive. Faudrait pas mettre trop de fou. C'est pas ça là-bas, cette merde, le... Oh shit! Ok. Oh pardon. Ah, je crois... en fait, c'était un zombie. Mais ils sont super bien équipés, ces putains de zombies. Je vais m'occuper de l'archer derrière là. Attends. Tu crois que tu vas avoir l'avantage du terrain? Ok, c'est bon. Il a l'avantage du terrain! Ouais, c'est bon. Oh, il m'a lâché un arc! Tout va bien. C'est bon ça, il m'a lâché un arc. Power Outrike, putain, il est super. Crimson. Okay. Oh, j'ai trouvé un Lufenian Helm. Projection, projectile projection et unbreaking. Et bon ça, j'ai trouvé un super casque. Ok, moi j'ai trouvé des... Le problème c'est qu'ils sont abîmés, hein, ces putains de trucs qu'on... Non, ils ont Unbreaking 10, ils ne se brisent jamais. Ah oui, c'est clair, génial, merci. La durabilité n'est pas un problème, c'est vraiment RPG-ish. Maltorn, le nécromancien. Ok. Tu crois qu'on sait... Non, c'est pas ici, attends. Maltorn, c'est pas le troisième? Voyons voir. Ah si, bah normalement c'est là. Bah... Le nécromancien. Sans offense, c'est juste que... Bon, bah écoute... Ding dong! Oh mon dieu, c'est un boss! Où ça? Là, des crânes! Alors, attends. Il y a des crânes, effectivement. Mettez les offrandes dans le pot. Le rituel a commencé. Mais maintenant, mes larbins vont s'occuper de vous, mortels. La larbin! Hop. Il faut récupérer les cœurs de zombies. Ouais, et les mettre dans l'hôtel. Donc on va récupérer. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Putain, ils se téléportent, est-ce que tu les vois? Oh mon dieu, il y a un truc super rapide. Ça doit être lui le nécromancien. Tu crois? Oh mon dieu. Je sais pas, mais il se déplace trop vite pour nous. Je prends pas mal de dégâts là. Je crois que les cœurs de... Ah putain, moi il faut que vraiment je reprenne de la bouffe. Parce que sinon ça va pas aller. On va mourir. Non, on va pas mourir, Bob. On va mourir avec ces conneries. La question, c'est comment on fait? Il faut se planquer en hauteur et rester planqué là. Ok.
question, oh, c'est... Oh putain, mais c'est quoi ce squelette de la mort? Super. Mettez le cœur de zombie dans le dans l'hôtel. Tu l'as trouvé? Non, non, c'est l'autre qui dit ça. Est-ce que je l'ai trouvé, alors, moi? Parce que c'est pas... Ah putain, mais ils sont trop nombreux. Ils sont vraiment... Viens vers moi, Fanta, viens vers moi. Je vais m'en charger, on va échanger. Attends, je fais un item block. Voilà, c'est bon. Go, c'est go, peut-être go, ça. Mais là, le seul cœur, je le vois. Out. Foutez-moi la paix, bande de pardon, soumis. Pardon, je t'ai mis un coup. Je l'ai mis. Oh putain, j'espère que ça va pas le lâcher trop tôt. Que vous faites? Arrêtez-vous. Oh mon dieu. La bouffe. Attends, sérieux, moi j'ai plus de vie, hein. Ouais, mais je sais, pour ça, planque-toi. Prends la hauteur, en fait. Regarde, tu vois là où je suis sur la hauteur? C'est complètement avantage, il peut rien faire de là. Attends, ça remonte doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ma position, Fanta? C'est full avantage ici. Il peut rien t'arriver. Non, je la vois pas, mais c'est pas grave. J'ai toujours pas de cœur de zombie. T'as un cœur de zombie, toi? J'ai plein de 3 zombies là vers moi, mais je te jure, ma position est safe. Je prends pas de dégâts depuis tout à l'heure. Ok, moi ça va. Ah ouais, je te vois. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir le temps de manger, si je pouvais gagner un tout petit peu de temps, histoire d'avaler un steak. Poudre de zombie art. Tu crois qu'un... Attends, un gigot de zombie, ça peut le faire? Attends. Non, il faut un cœur de zombie. Ça existe pas. Si, c'est rouge, Fanta, mais c'est juste qu'ils sont rares. Ça drop rarement, c'est tout, c'est pas non plus... Moi, j'ai une patate. Fanta, viens vers moi. Ils sont derrière. Ah, j'en ai un. Là, il faut que je le sauve. J'en ai 2. Oh mon dieu, ils sont costauds, putain. Fanta, tu as un cœur de zombie. Maintenant, viens avec moi, d'accord? Je suis sur le côté. Oh putain. Non, putain. Voilà, en hauteur, Fanta. C'est ça, la hauteur, c'est l'avantage. Là, en hauteur, ils peuvent rien te faire. Ils sont obligés d'escalader la route pour pouvoir t'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors attends, il faut que je prenne de la bouffe. Merci. Voilà, on est safe, Fanta. Tu vois, il suffit de viser devant nous et de tirer, et il peut rien nous arriver. Oh mon Dieu. Donc là, tout le temps de régène ta vie, d'accord? Combien tu as de cœur? Rien, 2-3. Moi, j'en ai 2, pardon. Là, il y en a un aussi. J'en ai récupéré. Oh, pardon. T'es passé devant moi, c'est très dangereux, ça, Bob. Oui, je sais, mais je maîtrise. Conscience des risques, tout ça. Voilà, enfin. Bon, putain, c'est moi, on n'avait pas le niveau pour ce boss. Fanta, est-ce que tu vois ce petit saut là, ce petit truc là que je regarde là, tu vois? Ouais, d'accord. Bah, ultra safe ici. Est-ce que je vais jeter le cœur? Alors, j'en ai 3, on y va. Go. Ok, je l'ai mis. Moi j'en ai 1. Oh mon dieu. Je ne jouerai pas avec ça. Oh mon dieu. Dois-je tout faire par moi-même? Subissez ma colère, insipide mortel. Oh shit! Ah, c'est ce truc là? Oh shit! En hauteur, Fanta! Ouais, j'y suis. Oh mon dieu, il fait nuit. Non, c'est un piège. Il essaie de nous mettre cécité, mais il sait pas jouer, c'est tout. Il est où? Il est là. Il est là-bas. Il nous a perdu, attention! Boum! Je l'ai perdu. Il est où? Il a disparu. Ah, il est là-bas. Je l'ai. Moi, j'ai pas d'arc, hein. Bien, Bob. J'y travaille. Ah putain, fuck. Allez, reviens ici, fumier. Il est où? Ah putain. Là-bas. J'ai des flèches, tu les veux? Attends, il y a peut-être une idée là. Il est derrière le poteau, je ne peux pas l'atteindre. Si, si on y va tous les deux. Regardez dans le ciel, qu'est-ce que c'est? La lune. Oh, oh mon dieu, oh t'es en feu. Aïe. Oh mon dieu, c'est quoi ce bonhomme? Il me poursuit! Putain, ça lag. Attends, je le suis. Étranger, je suis là pour vous aider. N'ayez pas peur. Ah super, on a un héros avec nous. Nettoyez le centre. Comme ça, je vais pouvoir faire une brèche et renvoyer Malkorn dans le Nether. Ah, il faut le pousser dans le vide. C'est le seul moyen de finir ça, Fanta. Ah ok, d'accord. Vas-y, pousse-le. Oh, non, raté. Fanta, t'as combien de vie? Il faut que tu régènes. Ah putain, t'as raison. Je vais essayer de l'occuper. Ah, c'est un Weaver, donc je suis un peu naze là, je vais m'atrophier. Je suis en train de l'occuper.
suis en train de l'occuper, je suis en train de l'occuper. Ok, Fanta, est-ce que tu as le temps de régénérer? Ouais. Ouais, je suis en train de régénérer et je suis obligé de vous dire au revoir et à la prochaine pour un prochain épisode. Pouce vert et on se retrouve si vous voulez voir la suite. Vous voulez une sorte de la suite de l'épisode? Eh bien, retrouvez-nous au prochain épisode. Pouce vert, les gens. Bisous à tous. Bisous.